j'en peux plus, je vous jure, j'ai l'impression que c'est un cauchemar. J'ai pas envie de me retrouver avec une cicatrice en plein milieu du visage. J'espère que tu vas avoir la force pour surmonter ces moments difficiles pour ta santé. L'opération était trop bien réussie et tout. Et là, en fait, ça s'est réouvert. Et il m'a dit d'arrêter de parler. Et il m'a dit. Parce que sinon, en fait, si ça se réouvre, en gros, je vais avoir une cicatrice que je vais garder à vie. J'ai trop peur de ça. Je vous jure, j'étais vraiment complexée par ma cicatrice. J'étais trop contente qu'elle soit partie. Ça fait là, je vous jure, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Là, quand je parle, je tiens ma lèvre parce que j'ai peur que ça se réouvre. J'en peux plus, je vous jure. J'ai l'impression que c'est un cauchemar. J'ai pas envie de me retrouver avec une cicatrice en plein milieu du visage. Mais bref, j'ai pas le droit de forcer sur ma lèvre parce que ma lèvre du haut, elle est trop lourde. Vous savez pourquoi je pleure, pourquoi je suis pas bien, pourquoi j'ai le seum? Parce que. Quand j'y suis allée il y a 5 jours, ben, l'opération était réussie, j'avais plus de croûte, j'avais plus rien. Je me suis dit ça y est, c'est fini, ça va être derrière moi. Et là en fait, c'est revenu. Et genre, si jamais la cicatrice elle revient, et ben j'aurai une cicatrice à vie au milieu du visage. J'ai pas envie, j'ai trop peur de ça. Donc là il m'a dit, je retourne le voir dans 2 jours. Et il faut que je fasse pas d'efforts, faut pas que je parle. Mais je me sens horrible, j'ai une croûte en plein milieu du visage, j'en peux plus.